slow down. But homie, I'm just living my life and gonna do what you think is right, cause that's stressing me out. They're telling me they know what's best, but will I care? Eh bien salut à toutes et à tous les amis, c'est Captain V, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne, je vais vous montrer comment déverrouiller un fichier PDF dont vous ne connaissez pas le mot de passe. Donc là j'ai un fichier PDF, je vais l'ouvrir et je vais lui ajouter un mot de passe dans fichier exporté au format PDF, je vais tout simplement le chiffrer et mettre un petit mot de passe à 4 chiffres, il n'y a pas de souci, hein. Je peux même mettre plus, ça fonctionnera exactement pareil. Donc là vous allez voir que si je le remplace, ça va devenir cadenas. Ici, et là il va me demander le mot de passe. Si je tape un mot de passe incorrect, ça ne fonctionne pas. Si je tape le bon, ça le déverrouille et je vois le contenu. Donc si vous avez un fichier PDF mais vous ne connaissez pas le mot de passe, je vais vous montrer comment en gros craquer ce mot de passe très simplement. Vous allez tout simplement sur ilovepdf.com et ensuite eh bien vous allez dans déverrouiller PDF. Vous faites sélectionner le fichier PDF. Le Finder s'ouvre, voilà, je clique ici, j'ouvre le document PDF, je fais déverrouiller et en une seconde, je peux télécharger le document et vous allez voir qu'ici, il n'y a plus le cadenas, je double-clique dessus et il n'y a plus de mot de passe dessus. Donc si je veux en remettre un et un autre mot de passe, admettons, eh bien vous faites la même manipulation que j'ai fait, vous l'ouvrez, vous faites fichier, exporter au format PDF et ensuite eh bien, vous le rechiffrez avec un nouveau mot de passe. Tac, et ensuite je le remplace et vous allez voir que maintenant il y a un mot de passe mais ça sera pas le même que celui-ci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. Ciao tout le monde.